Eh bien, débutant des thèmes, ça, c'est 12 minutes de bénédiction qui est dans l'air. Qui a rentré la caillou pour saluer. 12 minutes d'où, bon Dieu, remet. Et l'État n'est pas droit d'édifier pour édifier l'autre monde. Partager 12 minutes sans arrêt. Partager net aller à tout compte à coup. Toujours tout ça, on n'a pas besoin qu'on s'y attende, si on va attendre, ça n'est pas important. Partager le gaïl pour qu'à travers le monde entier, tout le monde entende la parole de Dieu. Merci Seigneur parce qu'on va continuer à faire parole, faire impact sur nous. Et c'est ça même nous voulons. Nous avons une parole à continuer à impacter nous. Et c'est pour impacter nous-mêmes. Pendant d'impacter nous, pour nous venir grandir, pour nous venir dans l'autre monde, pour nous sembler comme l'autre bagaille. Pour ta gloire. Amen. Eh bien, dans 12 minutes, nous avons regardé la vie du roi Ézéchias. Maillon s'attitré, Ézéchias a eu courage pour le faire le bien. Noé, il a choisi bon côté, à premier bagaille. Deuxièmement, il a placé chaque bagaille dans la place. Troisièmement, il a relé chaque bagaille par nom véritable. Quatrième bagaille que nous avons regardé, Ézéchias a placé confiance dans bon Dieu. Verset 5 de Rois, chapitre 18, verset 1 à 8. Dans verset 5, il dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi, oui, verset ça belle, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Ça fait m'aller directement dans Hébreux chapitre 11, le verset 6 qui dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ézéchias était confessé dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est une plus grande qualité. Roi Ézéchias était gagné. Il était considéré l'Éternel comme son unique espoir dans toutes les situations, contrairement à son père Akaz. Monsieur très différent de papa. Akaz, Lipio retourné par exemple dans 2 Rois chapitre 16, ou après la vie Akaz. Monsieur était différent en pile de Ézéchias. Ézéchias connaissait bon Dieu. Qui unique espoir qu'il gagne. Wow. Je me pose une question. Ça. Est-ce que vous avez l'autre espoir encore? Si vous avez l'autre espoir, vous ne pouvez pas vivre avec un peu de stress. Vous pouvez le déçu. Dans Somme 34, verset 6, Psalmiste dit, quand on tourne vers l'Éternel des armées les regards, avec de leur faire confiance, leur appuyer sous lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que bon Dieu, l'homme met espoir, confiance en lui. Bon Dieu, pas calagé. Et au Somme 37, soit le plus loin, ou après le psalmiste encore, bien entendu, cette fois, c'est David, qui a exhorté pour lui dire confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel. Dans verset 5, là, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Wow. Confie-toi à l'Éternel. C'est un grand refrain que nous joignons à travers toute Bible nette. Net. Regardez, nous sommes les satanés. Oui? Nous sommes l'île. Mais nous avons l'île encore dans Proverbe chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lorsque confie en l'Éternel, verset 6, la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tends-moi. Ça veut dire, ou mettez espoir sous tête, sous capacité, sous santé,
sous connaissance ou sous moun ou gen à l'étranger, sous papa ou sous maman, sous qui laisse ou mette espoir même. Entends-moi, ou mette espoir sous ou, sous moun, eh bien, ou chéri, oui, ou pas même kakoud. Ézéchias dit, oh, moi-même, je n'ai personne. Me songer cette déclaration de cet homme auprès de la piscine quand il dit Seigneur je n'ai personne pour me jeter de la piscine. C'est la même déclaration où t'as de dire ça tous amis par contre qui sont mettre confiance où confiance Ézéchias dans bon Dieu était inébranlable. T'es gon grande crise nationale continue li plus loin dans verset 17 jusqu'au verset de chapitre ça jusqu'au chapitre 19 verset 34. Une grande crise nationale. Et puis, vous pouvez voir, Ézéchias vient appuyer sur bon Dieu. Pour bon Dieu capable d'aider. Et c'est ça qui te fait royaume lien. Les distincts parmi tous les royaumes de Juda. Ni parmi les gens qui te viennent avant ni après, le cap dirigé. Royaume sur tes distincts. Et malgré difficultés qui te gagnent en Juda, et bien, monsieur, tu étais solidement attaché à l'Éternel. Li marche fidèlement dans voie bon Dieu tracé pour lui. Li obéit à commandement bon Dieu. Yo. Et puis, bon Dieu te avèl et accorde le succès dans toute bagaille. Ou après ça dans verset 6 avec verset 7 là. Le continue lire. C'est gros cause. Ézéchias prend toute confiance li, li place dans l'Éternel des armées. Ça c'est meilleur bagaille yon moun capable faire dans le temps actuel là. Retirer les yeux sur tout le monde. Fixez-le sous bon Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, a dit Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Regardez, verset 7 l'a dit. Et dont l'Éternel est l'espérance. Mais oui, c'est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Ça, c'est pour le monde qui appuie sur mon Dieu sans réserve. Sans mime, bon Dieu, pas bon personne monde sur la terre pour appuyer sur lui. Et ça fait, en pile, nous avons un problème. Dans appuyer sur le monde, depuis que nous avons fait un petit honte, nous avons presque mourir. Depuis que nous avons fui nous sentons presque mourir. Qui va appuyer sur le monde? Ou bien avec tout le monde, ou vivre avec tout le monde, ou aimer tout le monde, ou respecter tout le monde, ou apprécier tout le monde, ou pas appuyer sur personne. Soit appuyer sur le monde, pas de problème. Parce que l'homme, c'est un caméléon. L'homme est changeant. Je dis à l'homme en façon, demain en l'autre façon. Et dans pile monde, même si elle crampe avec aujourd'hui, il pas grindant pour tout temps. Non, c'est comme ça même, il pas grindant avec pour tout temps. C'est l'homme, non. Puis quand quitte ça dérange, je bouleverse, et puis on sent tout presque fini. Non, appuie-toi sur l'Éternel des armées, confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tout grand réformateur dans la Bible, côté de jeunes fossiaux, dans la même source, là, qui s'allie la confiance en un Dieu fidèle qui ne peut jamais trahir les gens qui campent avec elle. Alléluia. Bon Dieu ne peut jamais trahir personne. Et ça fait que le cœur ne peut jamais troubler. Même conseil Jésus a baillé comme exhortation à la baille disciple. Ça veut dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Croyez, quoi, confiance. C'est le coup qu'il ne faut pas troubler, oui. Appel réformateur, yo, c'est la source latéée. Hein, si vous voulez citer quelques noms, Taku, Savoranola, Martin Luther, Knox, tout nek sa yo, grand réformateur du protestantisme. Eh bien, je ne force de la confiance en l'Éternel. La réforme des écarts, ce que pour aller pas le faire, la réforme spirituelle que le pral faire, la réforme structurelle, la réforme économique, ou même matérielle, le pral faire. Eh bien, Ézéchias, quel que soit niveau réforme que tu as fait, eh bien, tout bagay sa yo, li te jwenn fòs li nan confiance que tu as placé dans bon Dieu, pour bon Dieu capable de changer le cœur du peuple qui pour entraîner libération moun yo
de l'oppression sociale, de la dégradation, de l'oppression spirituelle. Parce que l'on a un diable, on a servi diable, on a oppression, son esclave. Regardez verset 11-12, puis devant, ou pas le ça, le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à qui ça, à Chalash. Et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, c'est ça qu'il a fait. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, l'ont viré de bail, bon Dieu, ou pas faire confiance encore. Le diable a piétiné, ou l'a piétiné, ou l'a tochonné, ou l'a passé en papier. Moun qui confie en mon Dieu, eh bien, moun sa a besoin de la caille, mon Dieu, des chemins tout tracés, comme dit le psalmiste au psaume 84. Bon Dieu, pas plagué moun comme ça. Bah, quand so gen jodi a la, soit fait, mais dégage, oui, viens appuyer côté gen, ou eh bien, appuyer à faible, retirer le. Rachez, viens appuyer. Viens appuyer uniquement sur l'Éternel des armées. C'est sous lui pour appuyer, c'est lui qui Dieu, c'est lui qui sauveur, c'est lui qui maître, c'est lui qui seigneur, c'est lui qui tout bagaille, c'est lui assez appuyé, mettez confiance dans le cœur, dans la pensée, dans la connaissance, dans l'argent, dans le monde. Va appuyer sur le monde trop. Et ça qui fait vieux comme ça, va appuyer sur le monde trop. Nous ça deal avec tout le monde, mais puis va appuyer sur personne au point pour t'apprendre comme Dieu. Seul bon Dieu, bon Dieu. Et c'est lui-même seul, leur appuyer sur lui, leur faire confiance. Dans la bataille là, la passe au derrière, la bonne victoire, la bataille pour. Alléluia. La vie d'appuyer sur lui, 1 Samuel 17. Il passait David derrière, il baille David victoire. Par contre, qui bataille, qu'on gagne dans mon coin, par contre, qui soit traversé. Mais cessez d'appuyer sur l'urgence. Appuyez-vous sur l'Éternel des armées. Eh bien, amis, nous avons 12 minutes de bénédiction. Nous sommes en train de vous faire connaissance avec le roi Ézéchias. Ézéchias qui eut le courage de faire le bien. Et c'est le titre de ce maillon. Mais nous voyons dans le maillon hein, que Ézéchias il avait choisi le bon côté. Deuxièmement, il était placé chaque bagaille dans une vraie place. Troisièmement, littérer les chaque bagaille par vrai nom yo. Il va te quitter rien blofil. Et quatrièmement, il te place confiance les dans bon Dieu. Cinquièmement, il te marche dans le droit chemin. C'est le verset 6 qui nous le dit. Nous te verset 5 là. Verset 6 là tout c'est presque pareil. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Amen. Monsieur, il était attaché à l'Éternel. Il marchait dans le droit chemin. Marcher dans le droit chemin, je l'ai dit. Il ne vacilla pas. Je me songeais, le bon Dieu, après la mort de Moïse, le bon Dieu vient parler avec Josué. Parmi les recommandations que l'Éternel a faites à Josué, dans Josué chapitre 1er, au Kababoué, ça cité très très fort. Aladdin Wabwell, ça m'a dit qu'il cite fort. Regardez. Dans Josué 1er, bon Dieu, à plusieurs reprises, il dit Josué, en ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ok? Parce que bon Dieu va le promettre, s'il marchait dans ses voies, l'a toujours ensemble avec elle. Regardez, dans verset 7 là, il commence par la prescription ça. Fortifie-toi, Josué 1er,
seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et bien, dans verset 8, là, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et dans verset 9, là, il dit, est-ce que m'bat bon l'autre ça? Fortifie au point courage. Ne t'en détourne, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Puis, go détourne ni à gauche, ni à droite. Parce que ma pavère, dans tout soit point courant. Marche dans mes voies. Bon Dieu, attend que nous marchions dans la route les tracées pour nous, chers amis. Qui route bon Dieu tracé pour nous? Nous devons nous attacher à l'Éternel. Attacher à lui sans jamais nous détacher. C'est ça, bon Dieu, attend. Pour ne pas jamais détourner de lui-même. Gardez, ou pas qu'à demeurer attaché à bon Dieu, sous pas suivre nous. Rappelons dans Jean 15, Jésus vient dire, si vous demeurez dans moi, c'est le savoir vraiment disciple moi. Donc, un disciple, c'est le monde qui a suivi un maître. Mais pour cela, il faut attacher à l'Éternel des armées. Et présence bon Dieu même, c'est appris s'allier pour suivre lui. Pas à pas, ou à Machavel. Souvle demeurer dans Christ. Souvle avec Christ. C'est pour dégager, c'est pour prêt pour obéir. Regardez le texte en 2 Rois, chapitre 18 encore. Non, même verset A, nous sautons le verset 6 là. Ce verset qui ont haute portée spirituelle, nous sommes capables de dire. Parce que verset a dit que l'y attaché à l'Éternel et puis l'y pas détourné de lui-même. Attaché et pas détourné. Ça veut dire l'a suivi pas à pas. L'y observé même les commandements que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Hein? L'y attaché et l'y pas détourné. Et ça, très important. Attaché, c'est comme si on demeurait, on restait là-dedans. Et c'est là que Christ va demander obéissance à mon cap Machavel. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel. Tout ça, bon Dieu, t'a demandé pour le faire, il fait. Quand on a besoin de poser cette question, est-ce que vous-même, vous êtes un monde qui obéit à sa bon Dieu demandé? Est-ce qu'on attaché à lui? Est-ce qu'on obéit à sa demandé? Hmm? Le Seigneur lui-même lui dit, si un monde voulait venir suivre lui, Matthieu 16, verset 24, c'est pour renoncer à vous-même, c'est pour charger quoi, et c'est pour suivre lui. Il est toujours sage pour suivre Jésus côté l'apmené. Ou pas besoin qu'on côté l'apmené. Parce que lui, il est le souverain. C'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, c'est lui qui fait la route, qui monte la route, qui trace la route. Ou pas qu'à montrer qu'on copie puis qu'on est route la passer. Mais non. Non. Ou pas puis qu'on est route la passer. C'est les mêmes qui mènent. Et au Somme 23, où ça dit, il me dirige près des eaux tranquilles. Il pas mène on n'est pas de côté parce qu'il connaît route là. Zami, vous avez intérêt pour servir bon Dieu, pour être attaché à lui, pour marcher avec lui, pour suivre lui. Il pas mène on n'est pas de côté. Il va quand même on n'importe côté. Gemoun qui t'a quand même on n'importe côté vrai, qui t'a va la bon côté puis blio là ou bien il faut errer, il faut prendre mauvais chemin, mais c'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur pas maintenant on n'importe côté. Il pas quand même on n'importe côté. Parce que le Seigneur il connaît qui côté plus bon pour le mener là. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, les eaux tranquilles, c'est là bon Dieu mène nous.
parce que nous sommes les brebis de sa bergerie. C'est pas moun nou l'ap kite mene nou, li même l'ap mene nou. Ça veut dire côté bon Dieu konnen, n'ap pi heureux ya. N'ap gen plus bien-être. Côté bon Dieu konnen, n'ap gen plus joie, plus paix, plus sérénité, plus tout bagay la, c'est là. Bon Dieu ap mene nou. Côté le konnen bagay yo ap pi bon. An. C'est là bon Dieu ap mene nou. Chers amis, ou même kap tande men la konnen, le Seigneur décidé pour le mener on côté le vle et côté le ka pi bon pour pour soit faire toute désobéissance ça tout ou ordonne ou pas vle quitter bon Dieu mener on là pour qui ça ou t'as pi à l'aise juste ou te quitter bon Dieu conduire ce qui te dirige ou quitter le ou pas connait route la zam ou pas connait vrai ou a fait ti manœuvre fait ti démarche forcer des ti bagages ou pas connait route la vrai voilà démarche ou fait déjà pas chaque démarche ou fait son honte ou en plus m'a dit moun rete mouri bon ou pas réglan rien. Non, c'est pas ça me l'ai dit. Son café c'est pour faire. Mais bagay ou pas café laisser entre les mains du maître. Juste marcher avec elle comme Ézéchias l'avait fait, marchant dans le droit chemin. Moi mes versets oui. Verset ça belle 5 6, verset ça belle. Et peut-être là nous arrivons dans 7 là, nous va commenter 7 là encore, on va remettre tout. Ya, nan verset 5 là, il dit mettez confiance li nan bon Dieu. Nan verset 6 là, il dit li attaché à bon Dieu, à l'Éternel, il détourne de toute bagaille qui il pas détourne de bon Dieu même. Et puis là observer commandement yo, ne pas se détourner de Dieu son secret de la victoire. Sou gen moun k'ap marche avant. Par exemple, moi même comme moun an deyo, moun konnen ça, les moun ap marche an deyo, pas marcher côte à côte nous. Non, marcher yon devant yon derrière parce que son petit route gêné. Tout le monde va marcher et non même ensemble côte à côte. Et non petit route gêné. Et bien dans petit route gêné, yon devant, yon derrière. Ce sont moun k'ap menon et obligé suivre moun nan. Si c'est li capable montrer yon côté, si c'est li capable montrer yon zone ou obligé suivre li. Ou pas ka devant. Sou devant ou pral perdu ou pral errer. En pile nan nou prendre devant bon Dieu. Nan propre démarche, nos propres capacités, nos gros nègres, nos gros femmes, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et pourtant, ce n'est pas vrai, non? Seul bon Dieu qui connaît route là. Les mêmes seuls qui connaissent côté le pral avec. Les mêmes seuls qui connaissent qui ça le pral faire. Et juste, c'est confiance en ça, oui? Ou juste déposer la vie, nan men, et quitter le fait route là. Quitter l'avancer. Quitter l'avancer avec. Ou. Parce que si la vie ou pas déposé dans mais pour quitter l'avancée, ou pas faire erreur sur route là, ou pas faire pile bêtise, ou pas faire tintin et ou pas jamais arriver côté le Seigneur planifié pour le river avec là. Les hommes disent le Seigneur pas bon. Non, c'est pas le Seigneur pas bon, c'est ou même qui t'es une mauvaise compréhension de marche là. Ézéchias marcha dans le droit chemin, il permit au Seigneur de faire ce qu'il voulait dans sa vie. Et bien c'est comme ça bon Dieu a fait lui. Il peut le faire salver dans la vie. Mais il faut avoir occasion, opportunité. Il faut quitter le fel. Même j'avais l'auteur qui chante quand il dit ça. Quitter le mené, quitter Jésus mené. Même j'avais l'autre auteur qui dit menez-moi au bon sauveur. Chaque pas moi fait sauver mal aller devant. C'est devant pour l'aller. Ou trop pressé. Ou pas même quand vous devrez aller même. Ou pressé comme ça. Laissez le Seigneur vous diriger. Quitter le bon clairvoyance pour voir quand il prend la vie. Seulement il attaché à lui. Rete dans attachement, yon attachement profond avec le Seigneur. Et je vous en donne la garantie qu'il vous conduira, qu'il vous mènera, quand vous n'avez même imaginé, quand vous n'avez même pensé, bagay ou pas de jambes couettes que vous avez fait dans la vie, c'est yon bon Dieu va faire. Alléluia. Éternel Dieu Père, nous bénissons. Nous remets en pile et nous content parce que vous planifiez vie nous à ta façon, à ta manière. J'en voulais, là c'est comme ça la fête. Moun pas ka jouer dans projet ou gen pour nous, dans plan pour gen pour nous, pas capable. Yo met fè ça ou vle, ça ou vle a c'est li k'ap fèt. Aide nous de courage pour nous rester attaché à vous jusqu'au bout. Amen.